Hello, 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 c'est JKB de retour dans Dawn of Man pour l'épisode 9 de la série qu'on consacre à la bêta de Dawn of Man. Le jeu est toujours confirmé pour la sortie pour la semaine prochaine, pour le 1er mars. Et au niveau du prix, ça devrait tourner dans les 20-25 euros. Il y a eu quelques petites informations qui sont parties officiellement, enfin, qui n'ont pas vraiment été publiées, mais il y a eu des avis qui ont été. Il y a eu des réponses qui ont été données par les développeurs. Donc on parle de à peu près ce genre de prix, avec une réduction de 15% le jour de la sortie. Donc voilà, soyez prêts à bondir, c'est la semaine prochaine. Et ça s'annonce vraiment très bien. Nous sommes de retour dans notre village. L'été a commencé, donc la récolte des légumineuses a commencé. On va récolter les pois, on va récolter les pois chiches, on va récolter ce genre de choses. Au niveau de la population, on est à 100 habitants tout rond. Ce qui nous a permis de débloquer ce palier, le palier de consolidation, population de 100 personnes. Il nous reste uniquement deux paliers à débloquer dans cette partie, à savoir mégalomanie, qui est la construction d'un cercle mégalithique. C'est en cours. Et le secret de l'acier, ça prendra un peu plus de temps parce que avant de pouvoir faire de l'acier, il faut qu'on sache faire du fer. Donc il va nous falloir déjà 25 points de connaissance pour passer à l'âge du fer en débloquant la fonte du fer. Et il nous faudra 20 points de plus pour avoir l'acierage, produire de l'acier. Alors quand on fera des outils en acier, ça sera totalement génial, ce sont les meilleurs outils qu'on puisse avoir. Mais on n'y est pas encore. Pour ça, il va falloir un petit peu de patience. Le cercle mégalithique, par contre, on y est presque presque. Si je regarde, oui, ils sont ici. Ils sont ici en train de tracter vaillamment notre mégalithe, notre dernier mégalithe, le sixième. Et on distingue là-bas les cinq autres qui ont déjà été livrés. Donc on y est presque. On y est vraiment presque. Ça va être très bien. On a le temps de faire quelques ajustements tranquillement là pendant l'été, avant qu'il y ait le gros boulot de récolte en automne et puis l'hiver. Oh mon Dieu, l'hiver, il faut survivre à l'hiver. À commencer par, nous avons un peu trop d'animaux qui ont besoin d'un abri par rapport au nombre d'abris qu'on a pour ces animaux. Donc on va réduire un peu la population. On va passer un petit peu, on va faire un petit tour d'horizon, repérer tous les animaux vieux qu'on peut croiser, et déjà ordonner l'abattage de ces animaux vieux. Ça va déjà diminuer. Et puis je pense qu'on va aussi abattre quelques adultes, histoire de faire de la place, parce qu'ils vont certainement. Enfin, les survivants vont certainement se reproduire et nous provoquer quelques naissances d'ici à l'hiver et même pendant l'hiver. Alors je ne vois pas d'autres animaux grisâtres. Toi t'es vieux, non? Oui, toi t'es vieux, toi t'es grisâtre. Ok, ça c'est déjà pas mal, bonjour, au revoir. Ok, ça c'est déjà un début. Puis on va rajouter. On va prendre 5 moutons. 5 moutons au hasard. Vous allez mourir. Et 5 cochons adultes au hasard qui vont mourir aussi. Ouh, toi t'es vieux. 1, 2, 3, toi aussi t'es vieux. 4, ouh, toi aussi t'es vieux. Et là, un cinquième cochon qui a commis l'imprudence de se révéler au lieu de rester caché dans les champs. Nous y voici. Ah, la construction du cercle mégalithique a commencé. Voilà qui est une grande nouvelle. On va se placer là. On va faire une belle capture de ceci. Ça nous fera une belle miniature pour l'épisode. On va ordonner l'abattage de ce vieux cochon qui essaie de se cacher derrière une pierre.
Et puis accélérons ça, le temps de la construction. Ça devrait aller vite. On a des gens qui viennent prêter main forte. Ça se construit, ça s'érige, ça monte. Est arrivé. Voilà une bonne nouvelle. Première structure, cercle mégalithique. 3 points de connaissance pour ça. On a construit entre temps 100 couteaux de silex. 1 point de connaissance pour ça. On a débloqué le palier mégalomanie. 2 points de connaissance pour ça. Voilà qui est très bien. 6 points de connaissance gagnés. Le marchand est arrivé. On va aller rendre visite au marchand. Voir ce qu'il a à nous raconter. Et puis on va dépenser nos points de connaissance. Commission élevée, ok, on va pas discuter. On va dépenser nos points de connaissance. Nous allons prendre l'archerie composite. Très bien. L'archerie composite nous permet de faire des meilleurs arcs à flèches que ce qu'on faisait avant. Et avec comme deuxième avantage qu'on n'utilise pas de peau séchée pour les faire, on utilise du fil de lin. Donc on va produire automatiquement ce type d'arc, on va désactiver la production automatique des arcs normaux. Et puis, comme je vois qu'on a quand même pas mal de laine et pas mal de tissu de laine, je vais quand même regarder combien il demande pour cette technologie-là. Avec ses commissions, ça monte à 450. Il y en a qui se font plaisir. Si je te vends de la laine, si je te vends du tissu de laine, ça reste quand même trop coûteux, donc non, on ne va pas acheter cette technologie. T'es vieux toi? Non. J'entends des animaux qui se font abattre un peu partout. C'est bien. J'aime quand on exécute mes instructions. Donc l'été avance bien, les récoltes de légumineuses sont pour la majeure partie effectuées. On peut déjà regarder s'il y a des choses à faire au niveau de la nature. Est-ce qu'on pourrait capturer des chiens, enfin capturer des jeunes loups pour en faire des chiens? Est-ce qu'on a des choses à ramasser? Est-ce qu'on a des choses à chasser? Oh, il y a plein de monde ici. Plein d'ânes. On va pas capturer des ânes, on a suffisamment d'ânes pour que leur reproduction soit nous permette non seulement de renouveler la population, mais en plus de l'agrandir. Avec déjà 18 ânes, on va avoir plein de naissances. On a une mine d'étain qui est ici, qui doit arriver presque en fin de construction. On attend deux troncs, on a peu de réserves de bûches. Je pense que c'est parce que nos zones d'abattage sont-elles... Ah bah oui, nos zones d'abattage couvrent des endroits qui... Oui, il n'y a plus rien à abattre. Est-ce qu'on récolte quelque chose ici? Plus grand chose. Venez ici. Vous allez abattre des arbres ici, vous n'allez plus rien récolter ici, ça sert à rien. Après tout, on a domestiqué quasiment tout. Même chose ici, ça sert un petit peu... Bon, ça sert un petit peu à rien vu que... on plante des arbres fruitiers et tout. Donc on va faire une nouvelle zone d'abattage, l'agrandir, couvrir tout ça. On va se reconstituer des réserves de bois. Accélérons le temps. Et alors le cercle mégalithique, si je le sélectionne là, je vois que à lui seul il amène 50 prestiges. Alors pour rappel, on a ces deux indicateurs du bon fonctionnement de notre colonie, de notre village. On a le bien-être qui est une fonction du bien-être individuel de chaque personne, lequel est en fonction de... Sélectionnons quelqu'un. En fonction des niveaux de ces différentes barres. Donc sa santé, son niveau de nutrition, son niveau d'hydratation, sa fatigue, etc. Donc tout ceci, ça s'additionne, ça se combine pour nous donner le bien-être global. Le bien-être global est aussi affecté par le type de vêtements qu'il porte,
est affectée par les réserves de nourriture qu'on a. Je pense que c'est tout. Oui. Et le prestige. Le prestige, lui, est affecté par la population qu'on a, les bâtiments qu'on a et notre niveau technologique. Certains bâtiments en particulier ont un bonus de prestige. C'est le cas de ce cercle mégalithique qui, à lui seul, nous amène 50 points. Alors, ces deux valeurs vont affecter le taux d'immigration. Et dans ce cas-ci, le bien-être va également affecter le taux de natalité dans la colonie, et le prestige va affecter la fréquence de visite des marchands. Notre mine d'étain est construite. Donc ici, on va avoir début de l'extraction d'étain. On va extraire de l'étain, on extrait du cuivre, on va combiner ça ici dans ce four pour en faire du bronze. Et puis ici, on va fabriquer des outils en bronze. La production automatique des outils en bronze est déjà entièrement faite, entièrement ordonnée. Donc ça va. On n'a même pas besoin de s'en soucier maintenant. L'automne est bien avancé, les récoltes sont bien avancées aussi. Encore une fois, on va se retrouver avec plus de nourriture que ce qu'on avait à la fin de l'hiver, enfin au début de l'hiver de l'année dernière. Donc au niveau de la nourriture pour les gens, ça se passe très bien. Au niveau de la nourriture pour les animaux, nos réserves de paille, on descend assez bas. On frôle le zéro. Enfin, l'hiver dernier, on a frôlé le zéro. Si on arrive à zéro, dans notre situation ici, ce n'est pas grave, parce qu'on a des grandes réserves de céréales. Et s'il n'y a plus de paille pour nourrir les animaux, on se met à les nourrir avec des céréales. Donc dans notre cas, c'est pas du tout un problème. C'est quelque chose à surveiller quand même. Côté vieux. Donc ne pas avoir une population animale trop grande par rapport à la production de paille qu'on a sur l'année. Ça fait partie des choses à garder en observation, à surveiller. On peut s'occuper ici, le temps d'obtenir notre 10e point de connaissance. Ah non, je vais d'abord vous parler encore des disparitions d'espèces. Quand on avance dans les airs, au fur et à mesure, certaines espèces disparaissent, certaines espèces sauvages, pour qu'on ne se retrouve pas avec des anachronismes. Et ici, comme on a avancé dans l'âge du bronze, on a perdu les lions des cavernes, les ours des cavernes, mégalocéros et rennes, qui ne font pas partie de la faune sauvage de l'âge du bronze. Alors c'est un petit peu arbitraire évidemment, mais il fallait bien décider d'un moment pour les faire disparaître. On a beaucoup plus d'ânes, surtout avec la naissance qui vient d'arriver. On a beaucoup plus d'ânes qu'on a de chariots. Donc on va ordonner la construction de chariots pour que ça corresponde. Je pense qu'on a assez de cuir pour ça, oui. On va ordonner la construction de 6 chariots en plus. 6 chariots à 4 cuirs chacun, ça nous fait 24. Or on en a 34 en réserve. On peut donc rajouter 5 traîneaux en plus. Tout ceci va être construit aussi vite que possible. Peut-être qu'on peut augmenter la priorité d'ailleurs pour que ça soit. Parce que c'est un peu de l'investissement. Construire ces moyens de transport, ça nous permettra de transporter plus facilement, donc de perdre moins de temps à simplement ramasser ces récoltes, les ramener, les stocker. Et nous avons entre-temps gagné un 10e point de connaissance. Alors nous allons le dépenser. Les chevaux ne nous intéressent pas pour l'instant. De toute façon, c'est un petit peu du luxe, la domestication du cheval, un cheval. Les chevaux vont être attelés à des chariots de la même manière que les ânes. Ils vont juste un peu plus vite. C'est pas un gros avantage. Le brassage nous permet de faire de la bière. La bière augmente le moral des gens. Au prix d'une consommation de céréales pour faire cette bière. Et nous allons à la place prendre la maçonnerie, parce que la maçonnerie nous permet de construire des murs, oui, certes, des murs d'enceinte. Ici, dans cette partie, on ne construit pas d'enceinte,
On a simplement installé des tours de défense. Et il s'est avéré que c'était tout à fait suffisant. Mais on va pouvoir, avec la maçonnerie, améliorer les huttes en maisonnette qui ont une plus grande capacité. Donc les tentes pouvaient accueillir 3 personnes, les huttes accueillent 4 personnes et les maisonnettes peuvent accueillir 5 personnes. Et les huttes de stockage peuvent être aussi améliorées en entrepôt au moyen de la maçonnerie, donc ça va aussi nous donner plus de capacité. Pour ça, on va devoir récolter pas mal de pierres. On a déjà une bonne limite de production de pierres. On a déjà une zone de travail pour récolter ça. On va en mettre une deuxième ici, comme ça on va pouvoir dégager un peu cet espace. On pourra construire quelque chose d'autre par ici. Un marchand est arrivé. Est-ce que sa commission est basse? Sa commission est élevée. Au revoir. Certains individus n'ont pas de vêtements chauds, mais c'est pas grave parce qu'on a de la laine, on a de l'étoffe de laine. Il n'y a plus qu'à faire ces vêtements, et le temps que je le dise, ça a été fait. Et une nouvelle année a commencé. D'ailleurs à cette vitesse-ci, même chose, le temps qu'on le dise, cette nouvelle année est déjà bien entamée. On est déjà à la moitié du printemps. J'ai déjà désigné quelques animaux pour l'abattage. Et au niveau abattage, on va aussi désigner d'autres arbres pour l'abattage. On va déplacer cette zone de travail. Je peux l'agrandir? Oui. On va déplacer cette zone de travail, la placer ici. Ça va nous permettre de libérer de l'espace en plus, qui sera aussi utilisé pour faire des cultures à un moment. Et on peut peut-être planter un verger de plus. Qu'avons-nous comme arbre? Nous avons ici des châtaigniers, nous avons, ça c'est des poiriers. On a planté également des cerisiers, on a planté des sorbiers. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il reste rien de plus. On a des noix qui datent de l'année dernière. On va pouvoir en rajouter quelques-uns. Ok, ça se conserve bien. On va se rajouter quelques châtaigniers en plus. C'est bien, et puis je vais déjà placer ici une zone de travail pour les pierres, pour pouvoir libérer ceci. Et je vois qu'on a ici deux petits dépôts de pierres qu'on peut ramasser directement, sans devoir les miner. Et la situation du fourrage pour les bétails s'est tout à fait résorbée, puisqu'on n'est pas à zéro en fin d'hiver. Voilà qui est bien. Continuons de maintenir la population animale sous contrôle. On ne va pas se retrouver en situation délicate. Faire une première passe maintenant au printemps sur les vieux. On va attendre que tu sois tondu. Et puis en été, on regardera aussi ce qui peut être fait. J'ai vu un vieux là. Je vois un vieux là. Il m'a semblé voir un mouton. Ouais, effectivement. Et donc maintenant, il ne nous reste plus que ce dernier palier d'acier. Avant de pouvoir se dire que, ben... on a gagné cette partie. Sinon il n'y a pas de fin de toute façon. Enfin, il y a une fin si on arrive à... Si on est complètement décimé. Si on ne s'en sort pas et que tout le monde meurt. Oui, ça constitue une fin, c'est une défaite. Mais il n'y a pas de fin victoire au-delà de laquelle on ne puisse pas jouer. Donc une fois qu'on a débloqué tous les paliers, on peut continuer simplement de laisser vivre ces colonies pendant pas mal de temps, essayer d'occuper toute la carte peut-être, pour ceux qui seraient complètement mégalomanes. Mais dans notre cas, ça marquera juste la fin de la série. Et sur le reste du temps, avant la sortie de la version finale, bon, on jettera un petit coup d'œil sur d'autres aspects du jeu, peut-être d'autres cartes,
ou des scénarios. Accélérons tout ça et je vais peut-être déjà ordonner l'amélioration d'une hutte en maisonnette. Peut-être qu'on construise plus de greniers en fait. Pour ne pas occuper les huttes de stockage avec de la nourriture. Quand on a des structures de stockage qui sont dédiées à la nourriture, autant les utiliser. Okay, on va en mettre un ici. Celui-ci, si je le tourne, ça passe? Non, je vais pas construire plus près, garder un petit peu le côté sacré de ça. Et puis ouais, ici on peut en mettre un. Au milieu des champs. C'est bien ça, c'est fluff. Voilà. Un traîneau est inutilisable. Ah, entre temps on a perdu des ânes. Est-ce qu'on devrait capturer des ânes? Je pense qu'on voudrait... on va peut-être avoir des naissances d'ânes cette année. Mais peut-être que si on l'envoie, ça serait peut-être une idée d'en capturer quelques-uns. Bon, ça c'est des chevaux. Ça aussi. Ça aussi. Et on part ici, on a quoi? On a les sangliers. Ça c'est un jeune. Ça c'est un cerf même. Enfin une femelle, c'est une biche. Et par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça ça ressemble à des ânes. Capturez-moi ces ânes, s'il vous plaît. Et repartons. À fond les ballons. Alors, on est en été, on a 36 cochons, 43 moutons. J'avais dit qu'on allait amener cette population à 30 de chaque. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6 cochons meurent et 13 moutons vont mourir. Toi t'es en train de te faire tondre. Ces deux cochons là aussi ils vont mourir. Ah, niveau mouton on est à 3, 4, 5. Petit. 6. 7, 8. Petit. N'ayez pas peur, c'est juste pour vous tuer. De suite. Et 13, abattage. Bonjour marchand. Qu'avez-vous marchand? Commission élevée marchand. Au revoir marchand. Quoique, on est riche. On a plein de laine. On va acheter du charbon. On va acheter de l'étain. Ce sera toujours ça en moins à extraire. Et c'est tout. Et on va payer ça avec de la laine. Allons-y. Ah, et les captures d'ânes se sont bien passées. On va pouvoir faire un chariot en plus. Un chariot en plus, et puis... et puis on va monter à 15 traîneaux. La population augmente aussi, avec le temps. Les choses se passent bien, on a un bon bien-être, on a un bon prestige, ça nous amène du monde. Et ici, notre première maisonnette est en cours de construction.
Voilà qui est bien. Première maisonnette, capacité 5 personnes. On va améliorer également les huttes de stockage en entrepôt. Donc ils vont commencer par démonter la hutte de stockage. Et puis ensuite ils vont construire un entrepôt au même endroit. J'ai vu passer un vieux cochon. C'est un petit peu bizarre à regarder parce que le démontage d'une structure, c'est exactement la procédure de montage, mais dans l'autre sens. Donc on se retrouve avec des murs entorchés qui, par magie, perdent leur torchis. Hop. Alors ici, il manque quoi? 8 pierres, on les a. Une bûche, on les a. Une branche, on l'a. Et 6 pailles, on les a. Ça s'appelle toujours bout de bois. Ouais. Parce que je vois que certaines des remarques qui avaient été faites concernant la traduction française ont été implémentées. Par exemple, on ne dit plus fonderie de bronze, on dit fonte. Après tout, on peut pas leur en tenir rigueur. Le studio qui développe ça est en Espagne et comme je le disais quand la version française est arrivée dans la bêta, le premier jet de la version française est étonnamment bon par rapport à beaucoup d'autres jeux ou même parfois à la sortie la traduction est un petit peu approximative. Un chien a été foudroyé. C'est malheureux. Alors les gens, je veux pas vous stresser, mais il y a quand même quelques champs à récolter. Ok, on a beaucoup de réserves, mais il y a quand même quelques champs à récolter. Est-ce qu'ils vont réussir à tout récolter avant la fin de l'automne? Rien n'est moins certain. Un âne de plus, un chariot de plus. Un âne de plus, un chariot de plus. Et je vois qu'on est redescendu en dessous de 15 traîneaux, donc un traîneau de plus. Et non, tout n'a pas été récolté, mais presque. Et alors ici, les faucilles en bronze sont à 3 étoiles sur 4 au niveau de la récolte. Ce qui est meilleur que les faucilles en cuivre. Comment est-ce que ça tient la comparaison par rapport au silex? C'est meilleur que les faucilles en silex. Donc au fur et à mesure que nos faucilles en silex et en cuivre vont être remplacées par leurs équivalents en bronze, les récoltes vont s'accélérer. Ça c'est très bien aussi. Au fur et à mesure qu'on est outillé, on travaille de mieux en mieux. Mission élevée, mais on a aussi beaucoup de choses. On ne va pas acheter de cuivre métallique, on va acheter du cuir. On va acheter du minerai d'étain. Du tanin, non. C'est facile à récolter. On a eu des naissances, mais ça va, on est toujours en dessous de la capacité, largement. Et on peut profiter de l'hiver pour améliorer ceci. Améliorer cette hutte de stockage. Quand ici une hutte de stockage à 18 emplacements, un entrepôt en a 24. Les tentes de stockage en avaient 12. Voilà l'intérêt de la manœuvre. Elle voit.
11 points de connaissance. Est-ce qu'on a encore une technologie qu'on veut prendre à l'âge du bronze? Oui, je vais prendre le brassage. Je vais prendre le brassage et puis on va construire un atelier de brasseur quelque part par ici, je pense. Là, on a de la place. Production. Brassage. On va faire une brasserie ici. Non, j'avais dit que je gardais un couloir de passage ici dans l'alignement. Donc on va pas faire une brasserie directement ici. On va faire une brasserie plutôt par là et tourner vers le couloir. Production, brasserie. C'est bien ça que je disais. Hein. On va se tourner comme ça. On va se placer ici. Voilà qui sera très bien. Le brasseur va consommer des céréales, produire de la bière va augmenter le moral des gens. Un peu de la même manière que les différentes structures spirituelles augmentent le moral des gens. Certains individus n'ont pas de vêtements chauds. Qu'est-ce qu'on attend ici? On travaille? Pas en cours de production, ils vont en faire deux. Il y a 115 personnes. Qu'est-ce que tu me racontes? 115 personnes, 120 vêtements chauds. Et si des gens n'ont pas de vêtements chauds, ils n'ont qu'à aller à l'entrepôt se servir en vêtements chauds. À un moment, faut donner un peu de... faut donner un peu de soi aussi. L'hiver va toucher à sa fin. Et notre brasserie est construite. Formidable. Et en production automatique. Alors on va peut-être mettre... régler notre limite de production. 10. Oh, on peut y aller. On a du grain en réserve. On va dire qu'on produit 50 unités de bière. En tout cas, si on n'est pas interrompu par des pilleurs. Ah oui, ok. Ils arrivent par là. On va déjà sonner à l'alerte. Allez-y. Ceux qui le peuvent, réfugiez-vous. Ceux qui le peuvent, armez-vous et positionnez-vous stratégiquement. Il y a déjà des gens qui sont installés dans les tours. Et on voit que tous les autres ici sont en train de traverser pour venir se placer du côté où c'est attaqué. Ça c'est bien. Dans les premières bêta, ils se répartissaient autour de chaque foyer. Ça, ça devrait bien se passer. Une victime. Une seule victime. Voilà qui est vraiment bien. Ok. Vous pouvez retourner à des activités beaucoup plus pacifiques. On remerciera au passage les chiens qui ont bien intervenu dans l'histoire. Est-ce qu'ils ont détruit ma tour? Non, mais je vais peut-être en construire une de plus. Quand même, on va mettre une tour. Mettre une tour ici. Ouais, ici entre les deux, ça sera pas mal. Ok. Ceci va se déplacer, non. Non, ça couvre déjà tout ce qu'il faut. Nos arbres fraîchement plantés ont été ont bien poussé, donc on devrait avoir des récoltes de châtaignes supplémentaires cette année. Ça va varier un peu la nourriture. Laissons-les planter nos céréales. D'un petit peu d'abattage préventif. Toi t'es vieux. Au revoir. Toi t'es vieux. Au revoir. On a déjà 10 arcs composites qui ont été faits, ça c'est bien. Bon, en fait on va moins chasser, donc peut-être que... peut-être qu'on va réduire la limite de production des arcs composites à moitié de la population. Et là ici...
On a dit que les lances étaient à 100%. Ok, les épées, on va peut-être les mettre. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tant de défense que ça. Après tout, à chaque fois qu'on est attaqué, on peut repousser l'assaillant en n'ayant quasiment aucune victime. Donc ça se passe bien. Au niveau militaire, on se passe bien. Points de connaissance. Domestication des chevaux, on s'en fiche un petit peu dans l'immédiat. Il va falloir qu'on monte à 25 points de connaissance pour la GFR, donc c'est certainement pas, enfin c'est à coup sûr pas dans cet épisode-ci que ça va se passer. Avec un peu de chance, ça sera au cours de l'épisode prochain, mais plus vraisemblablement ça sera encore le suivant. Je vais donner 300. Hop, ça lui fait un petit pourboire. Le cochon. Non. Ça oui. Vieux cochon ça. Vieux cochon, ça j'ai dit. Vieux cochon. Vieux cochon. Vieux cochon. Mine de cuivre est épuisée. Ok, c'est celle-là. On en a déjà une autre qui est en activité par ici. Celle-ci. Donc ça va. On a un âne de plus qui est né. Bon, on en a eu un qui est décédé entre temps, je pense, puisqu'on a autant de chariots que d'ânes. Par contre, on va pouvoir construire des traîneaux en plus. Pour les gens qui n'ont pas le luxe de pouvoir tirer un âne. Et après tout, on a beaucoup de cuir d'avance. Faut dire qu'avec avec tout le bétail qui naît et qu'on peut tuer chaque année, ça nous fait à chaque fois du cuir en réserve. Donc vous remarquerez, ça fait quelques années qu'on n'a rien chassé. Ça fait quelques années qu'on n'a rien chassé et ça fait maintenant, voilà une année complète qui est en train de s'écouler dans laquelle il n'y a aucune récolte sauvage. Je pense que j'ai... Ah, j'ai oublié de retirer cette zone-ci. Voilà, on n'a pas de récolte de... depuis la nature. Tout ce qu'on consomme, bah on le cultive. Nous sommes passés de chasseur-cueilleur à une vraie civilisation agricole. On est fermier-éleveur au lieu d'être chasseur-cueilleur. Et ça fonctionne très bien. Après, quand le jeu va sortir, soyez pas non plus frustré si ça se passe moins bien pour vous. Moi ici, avant de commencer la série, j'avais déjà plus de 50 heures de jeu sur la bêta, donc il y a une certaine habitude qui est placée. Si vous tâtonnez et si vous vous plantez, c'est pas honteux, c'est normal. Après tout, ça reste quand même un jeu relativement complexe. Et puis il y a des équilibres à trouver. Dans les différents seuils de production, dans les priorités qu'on met. Oh. Ouais. Faut pas se sentir complètement nul si on se retrouve à avoir un hiver où on a faim, ou des choses comme ça. C'est normal, je suis passé par là aussi. Voilà. Ah bah c'est silex, mais il faut quand même que je construise une mine de silex, et j'ai vu que j'avais un filon ici. Même si on a quasiment plus de consommation de silex, mais j'ai quand même envie d'en avoir. Comme ça on peut supplanter... on peut aider la production métallurgique par une production de silex. Alors je vais peut-être augmenter le seuil de production de bronze. Limite de production du bronze, aucune. Bourrine, tant que tu peux faire du bronze, fais du bronze. Limite de production de charbon, on va en stocker 30. Limite de production de cuivre, on va extraire 20 cuivres, 20 étain. Et on va d'ailleurs mettre des zones de stockage en plus pour ceci. Voilà, un tapir ici que je peux pas configurer d'avance.
Et encore un de plus. Que je ne pourrais pas configurer d'avance non plus. Et ici je suis trop près de la berge. On va se mettre ici. Voilà. Voilà qui est pas mal. Et on a des arbres qui sont revenus entre temps ici. Voilà, voilà, voilà. Donc on va avoir une bonne grosse production de... Une grosse production de bronze, une bonne production d'outils en bronze qui sont meilleurs que les outils qu'on avait jusqu'ici avec les autres technologies. Donc la productivité, déjà on va augmenter. Leur confort de vie augmentera d'autant plus. Et on ne va pas battre cet enfant, donc si je pouvais le sélectionner, ça serait bien. Soit chariot non plus. Ça c'est pas très pratique qu'on ait deux l'un sur l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Il y aura des moutons. On va les prendre un petit peu au hasard. Ah, on a un chien qui est arrivé en fin de vie. Voilà. Oh, un vieux. Au revoir. Certains individus n'ont pas de vêtements légers, mais c'est pas grave, ça va venir. On a aussi du tissu en lin. Bon, par contre, ouais, on a peut-être pas beaucoup de réserves de lin en fin de... En fin d'été, donc on va peut-être se rajouter un champ de lin en plus quand même. Voilà. Parce que le lin maintenant est utilisé aussi... n'est pas utilisé que pour faire du tissu, il est utilisé aussi pour faire des arcs composites et pour faire des cannes à pêche. Donc, il va nous en falloir quand même pas mal. Voilà qui est bon. Et je vois qu'on a dépassé 42 minutes. Donc, on va en rester là pour cet épisode-ci. C'était le 9e de la série. Et... Comme je disais, soit au prochain épisode, soit à celui après, on passera à l'âge du fer. On a déjà 10 points de connaissance ici, donc ouais, a priori au prochain épisode, on passera à l'âge du fer. Donc j'aurai le temps en fait de vous montrer toutes les technologies d'ici la sortie officielle du jeu, qui est donc la semaine prochaine, toujours le 1er mars. 1er mars, le jeu final sort. Voilà, voilà, voilà. C'était JKB, c'était Don Hoffman. À ciao, bonsoir.